On refait le monde, l'invité. Maître Mohamed Traoré, bonsoir. Bonsoir, monsieur Condé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monyuma Cissé, première question. Alors, je ne sais pas par où commencer, tellement qu'il y a assez de choses à dire là-dessus. Mais parlons de Charles Wright qui fait l'actualité. Il est au cœur de toute cette situation. Il était intervenu ce matin chez nos confrères de FIM où il semblait justifier juridiquement l'acte qu'il est en train de poser. Et parce qu'il dit que ce n'est pas l'arrestation de Foniké notamment n'est pas liée qu'avec la publication, mais c'est plutôt avec les propos qu'il a tenus contre lui, le procureur, et qui serait considéré par lui, le procureur, comme outrage à magistrat. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien. Je dois dire d'abord que je suis très choqué. Je suis choqué par cette image qui défile en boucle sur la toile. Comme quelqu'un d'entre vous l'a dit, je ne m'attendais vraiment pas à voir ce genre d'image en Guinée après le 5 septembre. Je dois dire d'ailleurs qu'avant le 5 septembre, on a rarement vu ce genre d'image. Je pense qu'on peut quand même reconnaître cela. Il y a eu des arrestations en dehors de toute procédure, mais qu'une personne soit traînée de la sorte, violentée devant des caméras, devant, disons, toute la presse, je pense que c'est une première quand même. Cela dit, moi je me pose un peu la question sur, disons, la régularité même de cette procédure. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que Foniké Mangé aurait été, disons, fait l'objet de poursuites également pour outrage à magistrat. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Ce que je savais jusqu'à ce matin, c'est qu'il est poursuivi pour avoir repris sur sa page Facebook des propos, une publication jugée injurieuse à l'endroit du CNT. Je reconnais que l'injure, c'est une infraction. La reproduction d'une injure, c'est une infraction. Mais la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que dans cette affaire-là, des poursuites pouvaient être engagées sans la plainte préalable du CNT? J'ai entendu le procureur dire que dans certaines matières, il est possible que des poursuites soient engagées pour injure sans aucune plainte préalable. Je dis que c'est une contre-vérité absolue. En la matière, il n'y a que l'hypothèse où l'injure est dirigée contre le chef de l'État, que le ministère public peut agir d'office sans plainte préalable. Et là aussi, quand le président de la République le demande, les poursuites peuvent être arrêtées. Pour toutes les autres infractions, notamment lorsqu'on dit par exemple injure ou diffamation envers d'un membre ou de plusieurs membres de l'Assemblée nationale, la plainte ne peut être engagée que sur la base de la plainte de là où des victimes. La loi est très claire là-dessus. Donc à vous comprendre, le procureur général ne peut pas s'autosaisir en pareil cas, absolument, c'est ça? Absolument, absolument. Et je le mets au défi d'indiquer un seul texte qui lui donne la possibilité dans cette hypothèse-là, d'agir sans une plainte préalable. Vous savez, monsieur le procureur, il doit savoir que ce n'est pas tout ce qu'il dit qui est forcément vrai. Les gens s'abstiennent souvent de réagir. Mais en réalité, il y a beaucoup d'approximations dans ces interventions. Donc sur cette question précise, il ne pouvait pas donner des le parquet même ne peut pas agir sans une plainte préalable du CNT ou de membres du CNT ou de plusieurs membres du CNT se considérant comme victimes d'une injure. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu injure. C'est au juge de dire cela après, lorsqu'il sera saisi. Mais je parle de la procédure. Je pense qu'il faut faire beaucoup attention. Nous sommes en train de tomber dans une sorte de populisme judiciaire qui risque d'avoir des conséquences assez néfastes sur les libertés individuelles. Alors, venons-en au fait. Comment vous avez trouvé maintenant la démarche des policiers qui sont allés cueillir ces activistes de la société civile qui étaient en train Mais de... Moi, je ne suis pas étonné. Vous pensez que les choses ont changé? Nous sommes encore en Guinée. Nous sommes avec les mêmes policiers, les mêmes gendarmes. Les choses n'ont pas changé. Je pense qu'il y a une question de mentalité. Il y a une mentalité qui est établie depuis longtemps et qu'on aura du mal à combattre. Comme je l'ai dit au départ, je suis choqué, mais je ne suis pas surpris. Je ne suis pas du tout surpris. Je pense qu'il appartient à toutes les bonnes consciences de ce pays de s'élever contre ce genre de pratique. Parce que j'aurais pu comprendre qu'on dise qu'il a été pris en flagrant délit. Mais il y a des infractions qu'on pense qu'il a commises déjà.
Il suffisait simplement de lui envoyer une convocation. Et d'ailleurs, vous avez dû remarquer que le procureur a dit ce matin que Funike Mangue n'était plus dans ce pays. Je pense que c'est une façon de monter davantage les agents contre lui. Et la preuve a été faite qu'il est dans le pays parce qu'il ne pouvait pas être au Maroc et en même temps animer une conférence de presse au siège du FNDC. Je pense que ce sont des comportements qu'il faut flétrir. Ce n'est pas parce que moi je suis un membre du CNT que je vais me taire sur ce genre de violation de la loi. Je suis encore une fois très choqué et je pense que le procureur doit savoir raison garder. C'est vrai que nous l'avons tous applaudi quand il a été amené à prendre certaines décisions quand il était juge. Et nous avons dénoncé ceux qui lui mettaient dans les bâtons dans les roues au sein de ses collègues magistrats. Nous n'allons pas le laisser aussi faire n'importe quoi. Maître Mohamed Traoré, juriste universitaire, merci à vous d'être passé dans cette émission. Écoutez.